Par contre, je sais pas pour quel genre de fou tu te prends. Mais si t'as pas de réponse à me donner, je te conseille de vite dégager. C'est dommage. Tu m'avais l'air sympa. Au lieu de faire le dur, allume plutôt cette radio, tu comprendras tout. À l'heure actuelle, on ne compte pas des dizaines, mais des centaines de milliers de personnes portées disparues partout dans le monde. Après l'entente d'un bruit assourdissant. Des images nous sont parvenues de partout là. En Afrique, en Asie, en Europe, comme en Amérique, des personnes sortent dans les rues, affolées. Les supermarchés sont envahis. Et les ruptures de stock se comptent en nombre. Les Nations Unies viennent de décréter l'état d'urgence maximale et inviter toutes celles et ceux qui ont perdu quelqu'un à ne pas paniquer et à rester. Les autorités, les experts n'ont jusqu'à présent aucune réponse concrète concernant les événements historiques que nous vivons actuellement. Et pourtant, les questions se multiplient. Allons-nous un jour revoir nos proches? Que signifient exactement ces événements? Et surtout, qu'allons-nous devenir? Ce que tu dois comprendre dans cette histoire, c'est que c'est le début de la fin.